Hey les abonnés, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'ouvrir le coffret Miaouss V Max. Donc voilà, on va se l'ouvrir. Donc j'ai trouvé un moyen de l'ouvrir. Donc ok, donc on se retrouve juste après avoir décellé. Donc je vais vous présenter déjà le coffret vite fait. Donc voilà, on a 4 boosters. Non, on a 3 boosters, éclipse cosmique et un soleil et lune de base. Et l'arrière. Voilà, il se présente comme ceci. Du coup, voilà, j'ai ouvert. Donc, on va retirer le carton. Donc, on a le petit protège au plastique avec les deux cartes. Je les retire tranquillement. Donc c'est deux cartes promotionnelles. La SWSH04. La SWSH05. Du coup voilà les deux petites cartes. Donc la Miaouss V Max Gigamax Full Art. Et la V Miaouss V. Donc voilà. Donc on a la Jumbo qui est la Full Art. Donc on a l'effet full art et tout. Hop. Je la mets sur le côté parce que j'ai pas envie de l'abîmer celle-là. Je vais rien mettre dessus. Parce que d'habitude je mets une carte, mais là je vais rien mettre parce que c'est une carte de type full art. Donc voilà. Donc on prend les boosters. Ah non, il y a un duo choc. Ah ok. Bah il y a un duo choc du coup. J'avais pas fait gaffe que c'était un DualShock tout à l'heure, mais ok, d'accord. Donc on a du éclipse cosmique, du soleil lune de base et du autre choc, du coup, bah c'est tranquille. Du coup, c'est assez sympa comme box. C'est sorti il y a un moment. Hein. Ah, purée, comme toutes les ouvertures, hein, c'est sorti il y a un moment. Hop. Il y a des trucs qui vont arriver, peut-être. Il y a des trucs qui vont arriver, peut-être. Ah, plus. Enfin, moins. Ouais. Alors, du coup, on va commencer par Soleil et Lune de base, après Duo de choc, après Éclipse cosmique. Voilà, on finira par Éclipse cosmique, on finira par ce booster-ci. Donc on va s'ouvrir tranquillement ça. Et c'est parti, hein. Ah ouais, les boosters sont beaucoup plus durs à ouvrir que... Donc les boosters sont plus durs que les éclipses... les soleils... Oh! Les épées et boucliers, j'ai eu du mal. Du coup, énergie psy, Nosferalto, échange d'énergie, prof Forbe, Bakabou, Spododo, Mimentis, Araquah, Kaninos et flèche en reverse. Et derrière, on a lanterne en rat. Comment ça avec un lanterne en rat? Passe à du haut de choc. Ouais, les boosters sont beaucoup plus durs. Déjà, quand on fait ça, ça s'arrache pas. Quand on fait ça s'arrache pas. Ouais, on a vraiment une différence à ce niveau-là. Donc, énergie fée. Galopa. Oh, j'ai cru que c'était la rare. Vesper. Dan, Statitique, Zébubron, Carapuce, Tentacool, Tadmorv, Nidorino en reverse et derrière, on aura une holo, Hospitalité d'Erika. Ok, donc on va le mettre sous pochette. Voilà, on va la mettre ici, la petite. Donc on a deux boosters avec Éclipse cosmique maintenant.
Ah bah j'ai mal fait la manip. Du coup bah on aura eu une holo dans ce booster. Bon bah ok. Donc on va faire vite fait le booster du coup. Mangriffe, Aqualie, Appel aux escouades, Magnéti, Ponchio, Cracnoa, Farfuré. On peut encore avoir quelque chose. Parce que c'est vrai que les Givers dans Eclipse Cosmique, ça peut être des ultra rares. Donc des secrètes, full art. Donc Obali. Et non, ce sera simplement un faux sardine. Et Vassilis. Je sais pas ce que j'ai fait comme manip. C'est quand même une rare une rare reverse. Ou peut-être une holo reverse. Bon, du coup, on aura eu deux holos. Hein. Du coup, hop, dernier booster. Cette fois, je vais pas me planter sur la manip. Donc énergie psy, escouade Barbara, Enefi escouade, tout doudou, Clément, ouais, Nounourson, Scalpion, Elionceau, Smogogo, Tarinorm, oh, Stilix. En secrète, donc voilà pourquoi je disais justement derrière on aura Ursa Ring en rare. Du coup, voilà ce que vous pouvez avoir dans le booster précédent. C'était dernier temps, mais ouais, cool. Je sais pas, je crois que Stilix, je l'avais pas. C'est cool, c'est cool. Tant mieux. Donc voilà, du coup, dans cette ouverture, on aura quand même quelques cartes, hein, vraiment. On aura eu des trucs sympathiques. On aura eu deux holos, les deux ultras du coffret, deux holos et une secrète. Et du coup, je vous laisse sur ces cartes et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!